Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Je sais pas, peut-être que l'intro est partie un pouilla trop tôt et que vous avez pas entendu tout le début, mais c'est pas très grave. Alors, j'ai... Non mais là déjà je sors de la demi-finale, une demi-finale absolument dantesque, désolé. Hein. Voilà, si jamais vous suivez un peu la scène LOL, même si je joue pas... Tion, Genji, c'était magnifique. J'en suis tout remué. Alors, j'en ai profité, donc j'ai fait la production des oscillateurs... Oh oui, on peut se poser là, très bien, tiens. Des oscillateurs à quartz. Vous voyez, tout ça. Je vais rajouter, là, il va me falloir en tout 8 assembleuses. Ouais, 8 assembleuses. 8 assembleuses. Et on fera 8 productions d'oscillateurs à quartz par minute. Voilà, parce que c'est ultra long, c'est une dinguerie quand même en vrai. C'est wow. Une dinguerie à quel point c'est lent. Mais c'est pas un problème, et tout ça pour une consommation d'environ 700 mégas par minute. Hein. 700 mégas, n'importe quoi par minute, oui non. 700 mégas, c'est juste énorme. La consommation est juste, c'est juste une dinguerie. Attendez, je suis en train de réfléchir à un truc, je vais un pouilla changer ma manière de faire. Parce que ça a un petit défaut, c'est que si je fais comme ça, j'ai rien à remettre, enfin je peux pas faire sortir en fait ma production, alors que là je vais pouvoir faire sortir, non, toujours pas, si je vais pouvoir faire sortir ma production et on va un tout petit peu modifier quelque chose. Oh, je suis en train de voir ce que je vais faire. Ne vous en faites pas. Hop, c'est que ça en fait. On va diminuer la hauteur. Alors, merci. C'est con d'avoir fait tout ça et de retirer. Mais bon. Ce sont des choses qui arrivent, comme on dit dans le jargon. Donc on va mettre un d'épaisseur. Si possible. Voilà, même endroit, ça serait plutôt bien. Ah, j'ai pas fait le rôle, je vais dire le dernier, on s'en fout. De toute façon, ça consomme autant de trucs. Ce qui est un peu dommage en soi. Il est quand même 3 fois moins en théorie, mais bon, c'est pas un problème. Tac, 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 tac. Ça va là. Ok. Donc, je vais essayer de faire un truc un peu près sympa. Je sais pas. Je vais essayer de faire. Je sais pas ce que ça va donner, mais il me faut une rampe inversée. Mais là, il me faudrait une rampe de 4 mètres. Parce que ça, c'est bien d'avoir ça. Ah non, c'est bien. Attends, quoi? Ah ouais. Il n'y a pas... Ouais, ça, non. Attendez, je suis à la recherche de... Bah ça, non, oui. Alors ça, ouais. Non. Ça, mais il faut qu'il me reste une certaine hauteur. En fait, limite, il faudrait le combo des deux. Même pour un truc comme ça, mais je suis pas fan. Fan des trucs imbriqués les uns dans les autres. On verra. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. On verra. Ah oui, ça fait déjà un peu plus de hauteur. Donc, chaud. Quoi? Comment ça? Ah oui. C'est que là j'ai pas. Eh oui. C'est quand même bizarre hein, que ça me permette de le mettre dans le mauvais sens. Ici c'est normal. Ici là j'ai pas relé. Ça dégage. Pardon.
Hop. Hop. Regardez là en plus, là tout ça, ça passe impeccablement bien. Bon là, la courbe elle est importante mine de rien, mais écoute, j'ai pas triché pour le mettre, donc c'est que c'est bon. tac. 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 On va faire le même truc. J'aimerais bien surtout la faire la courbe et que ça arrive pile à l'endroit de la courbe. Donc ce qu'on va faire, c'est comme ça. Waouh. Waouh, alors c'était... Serpent là, violent le serpent. Hop. Ah non, ça par contre ça marche pas comme ça, c'est pas collé je crois. Non. C'est... Paf. 1, 2, 3, paf. Ok, donc c'est paf, 1, 2, 3, paf. Donc paf. 1, 2, 3. Tant que ça? Ça me paraît beaucoup là. Oh non. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Ouais, ouais, bon. Donc lui. Tac, c'est pas un groupeur, c'est un répartiteur. Ok. Je vais faire la même chose là, attends. C'est bon. Ah non, je me suis... Ah mais si... Ah oui, non, ah... Oui, alors... Ok. Putain, c'est bizarre ça. Comment j'ai réussi ce coup de maître? Ce coup de passe-passe, ça... En fait, je vais essayer de faire ça bien. Ah bah ça, j'en ai besoin. Et ça... Voilà. Je vais essayer de faire ça bien. Hop, non. On peut pas faire ça bien, c'est dommage. On a vu, on a rien vu, on a rien dit. Bon. Donc ça. Hop, hop, hop. Ouais, parce que je suis obligé de faire passer ça sur le plafond, là. Hop, ça pareil, le plus vite possible, tac. Hop. Voilà. Là, on tire le convoyeur. Et ben on est bon. A plus qu'à faire ça ensuite. Encore 6 fois. Et ouais, quand même. Alors, est-ce que je mords sur le machin ou est-ce que je mords pas sur le machin? Ah, je mords clairement sur le machin. Ouais. Donc, tac, 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 tac. On est à combien? 3 4 5 Même si c'est utile, je vais devoir le faire entre pas. Quoi?
Ah. Il manque un pouilla de... Bon bah on va... agrandir, il manque un pouilla de longueur apparemment. Tac. Voilà. Vraiment, ça va, ouais. Malgré tout ce que j'ai en surface, c'était limite. Ok, bon. Ok. Hop. 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 Attention, c'est le bazar là. Donc là, j'en suis à 6. Et on, il m'en faut deux autres en vrai. On aurait dû penser, mais il m'en faut deux autres là. Je vais pas le rajouter sur la longueur, ce serait un peu con. Je vais rajouter de la longueur, donc je vais essayer de la rajouter sur le côté. On va voir comment je vais pouvoir monter le truc. Au niveau de, mon, de l'alimentation là, de machin. Ok, là c'est placé. Je sais pas si ça va fonctionner comme ça. On va faire un test. Ah, c'est vrai, tiens, j'en mets pas 4, j'en mets que 3 moi. Ouh, ça sort à moitié. Ouh, c'est pas bon ça. Ah ouais? Si. Ouais, c'est l'échelle, tu me diras, je m'en fous un peu de l'échelle quoi. Alors tac tac, voilà, 1, 2, 3, paf, 1, 2, 3, paf. Oh, j'ai tout. Non, mais bah non, j'ai refait la même connerie. Hein. C'est une dinguerie. Je fais deux fois la même connerie. J'aime pas faire les conneries d'affilée. J'aime pas ne pas apprendre de mes bêtises. Allez. Ok. C'est bien, on a une alimentation. Hop. Tac. Et tac. Ça déjà. Bon, encore pour faire sur du classique, manière classique plutôt. Hop, là on est où?
3, 4. Et 1, 2, 3, tac. Ok. Ça, c'est alimenté. J'en ai foutu deux. Hop. Une jolie plante là, écoute, c'est bien, ça fera un peu de verdure en sous-sol. Hop, et là, c'est là où que ça change, comme on dit. Ah merde. Ouais, c'est là où que ça change, même bien en plus. Hein. Alors on va se calmer aussi quand même. Hop, tac tac tac, je vais taper ça. Il y a des joueurs, hein. En face, non ? Ah ouais, je suis en face. Ah non, je suis pas en face, hein. Bon, c'était... lui, il voulait pas, mais c'était, on va dire, crash test. T'inquiète. Voilà, l'autre, du premier coup, son voisin. Voilà. Et là, c'est là où c'est un peu différent, c'est que... Je sais pas comment je vais me débrouiller, en vrai. C'est bon. Si, j'ai une idée. C'est que là, je repars sur un répartiteur. Alors que je le fasse dans le bon. Hop, paf, paf. Hop là. Tac. Lui comme ça, et tac. Lui comme ça, un tac. Ça fait ça. Et là. Ah! Ah bah c'est ballot ça. Attendez, normalement, si je fais pas de bêtises, c'est que là, j'ai ça, et là je suis censé avoir, c'est où, c'est ça. Alors si je le mets droit, ça va pas marcher. Oh, par défaut. Ah, oh merde. Ah oui. Ah c'est c'est balou ça. Bah ça va marcher, mais si on le fait. Pas avec une hauteur comme ça, mais avec l'hauteur intermédiaire. Ça change rien en soi en plus. Si là je mets 2 mètres. Bon, c'est un peu chiant quand on regarde à côté, ça fait un... Mais bon, en vrai ça donne un certain charme. Allez, on est reparti. Hop. Voilà, 4 mètres. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, je disais. Tac. Et tac. Donc là, si je ne me trompe pas, là, hop. Alors, ouais, maintenant, il va falloir faire arriver sur le bon. Voilà. Ouais, ça marche très bien.
c'est impeccable. Ce qui fait que là on a les alim, donc paf, bien. Hop, là ça va là, et là ça va là. Là c'est impeccable. Là. On a les trois qui descendent. Là, il faut que je fasse pareil. C'est dégueulasse, d'ailleurs. What? C'est bizarre, ça. Pourquoi j'ai un truc chelou là comme ça? Pourtant je les ai mis Ah ouais. Bon. On va faire exceptionnellement, on va faire le groupeur électeur. Ça ici, effectivement. Un tout petit décalage. Je l'ai mis. Oui. Hop. Tac. Ce qui fait que ça. Ah oui, je suis obligé de les décaler. D'ailleurs, ça, je les mets en petit, mais c'est pas terrible. Ça. Donc, je dis. S'il te plaît, mon ami, hein, qu'est-ce que tu me fais là? C'est pas l'entrée là? Oh, qu'est-ce que j'ai foutu là? Mais pourquoi j'ai foutu les répartiteurs avec des entrées comme ça, moi? Ah bah si, oui, non mais oui, si, c'est normal. Attendez, je réfléchis. Tac. Oui. Ah, putain, celle-là, va falloir être bon. Quelle idée. Là, si j'ai mis mon répartiteur comme. Ça va pas le faire comme ça. Je peux me permettre de le coller, il n'y a pas de problème. Lui, il est réparti comment déjà? C'est le premier qui va là, donc ça, il faudrait que ça aille là. Ça, je suis bien là, comme ça je dirais, mais je veux décaler de 1, 2. Là, je crois qu'on est pas trop mal dans le sens où là moi je peux alimenter celui-là, c'est bon, je peux alimenter celui-là, c'est bon, je peux alimenter celui-là, on se barre par là, là. Là, si je me trompe pas, c'est comme. C'est. Alors, je suis au-dessus là, je suis au-dessus, mais. Ah non, je suis pas aligné du tout là. Je suis au-dessus, mais je suis pas aligné. Ok. Ça alimente, blablabla. Ok, ça c'est très bon. C'est très bien, je veux dire. Là, j'ai plus qu'à dire, toi, tu m'alimentes comme ça. Oui. Toi, tu m'alimentes. Oh, alors, on va se calmer quand même, mon ami. Faut pas décoller non plus, hein. Y a des limites à la panneau. Comme ça. Ah, mais j'ai bien mon petit décalage là, comme pour tous. Donc, on disait. 1, 2, 3. Tac. Okay.
Ah! J'ai perdu un truc. 1, 2, 3. Tac. C'était tout pile. Bah non, non, c'était ça. Bah oui, oui. Tu me diras, c'est logique. Donc. On est vraiment pas mal. Hein. Par contre, il faudra juste à terme que je change quelque chose, mais ça, c'est pas un problème. À faire pareil maintenant du de ce côté là. Là si je me trompe pas j'ai mis un, non alors c'est pas le convoyeur que je vis, c'est le truc derrière, voilà. Ça alors, je fous un peu, enfin, je fous totalement même, j'ai envie de te dire c'est pas mon problème. Là va falloir faire le tour de mètre que j'ai fait tout à l'heure. Un peu chiant mais c'est pas grave. Allez hop, donc là j'ai mis un répartiteur. Et là à partir de ces répartiteurs je sais comment je dois placer les autres. Voilà. Ce qui fait que ça je sais que ça part comme ça. Ça je sais. Non, mais non pas du tout en plus. Ça je sais que ça se barre là, ça je sais que ça se barre là. Ça il va me falloir, ah oui, ah oui, ce que j'avais pas de l'autre côté, tiens dessus, non là je suis au dessus, eh oui, tac tac, et bah, il m'en faut un deuxième. Tac, ça. Oula. On part dans le bon mode et ça on est bon. Et de là, ben ça que ce soit comme ça avec l'entrée ou l'entrée. Tac. 1, 2. Ça alimente ça, impeccable. Ensuite vient la ligne de ça, 1, 2, 3, nous irons au bois. Petite question, j'ai rien, oui. J'ai rien paramétré là. Quand même, ah voilà. Ah. Oh si, tout pile. Je peux le placer au même endroit, c'est impeccable. Ah, il est un pouilla plus serré en vrai. C'est pas très très grave, hein. On s'en fait pas pour ça. Ok. Oui, je voulais aussi voir qu'est-ce que je consomme le plus. 18 x 8, 144, donc il va me falloir que je place du MK3. Ouais, j'ai du MK4. Bon, ouais, j'ai placé du MK4 en dessous pour l'alimentation. Oula! Ah oui, d'accord. Ah, ça c'est con ça aussi, tiens. Bon. Ah non, à moins que l'entrée soit là. Ok, super. En fait, dans tous les trucs comme ça, il va falloir que je mette du MK.
Okay. Sur les grandes lignes, hein, le reste. Voilà. C'est un bordel. Mais en vrai, j'aime bien ce... Oh, la petite plante. Elle fait plaisir à voir. Oui. Ensuite, pour finir, surtout pour finir, qu'est-ce que ça mange? Ça mange... Les câbles, le cristal de quartz et les plaques de fer renforcées. Bah, vous, je trouve tout ça. Câble. J'ai une sortie de câble ici, ok. Bon, j'ai qu'une seule sortie au niveau du câble, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est vrai que j'ai fait des choses, ouais, possiblement un peu chelou quoi. Mais c'est pas bien grave. Sérieux, les deux, c'est... Ok, bon, câble. Est-ce que je ferais vraiment bien d'envoyer tout là? Je sais pas. Câble. C'est bizarre là, je suis censé récupérer des choses. De là. Lui est vide. Alors c'est peut-être ça. Pourquoi je récupère rien? Est-ce que j'ai rien en entrée? Oh. J'ai rien en entrée. C'est lui qui est un peu pété. Ah si, c'est ça. Là ça devrait produire et commencer à en envoyer. On va vérifier qu'on n'a pas fait la même connerie des deux côtés. Non, de l'autre côté on est bon. Ok, j'ai de la vis. J'ai besoin de vis? Non, pas du tout. Oh, je viens de voir que j'ai oublié un truc. Non! Oh merde! J'ai totalement oublié de faire mes plaques de fer renforcées. C'est pas une blague. Moi, je pense que ma réaction, de toute façon, ça s'est entendu. Bon. Essayer de choper ma sortie de cristal de quartz. Je sais pas du tout où elle est. Ouais, elle a l'air d'être là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon. Ah, fait chier ça. Ah. Comment ça, le convoyeur trop long? Oh mon vieil. Ouais, bon, alors ça va être plus calme. Voilà. Oh là 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 là. Regardez-moi cette répartition, par contre, elle est magnifique. Si seulement j'avais pas fait. Oh là là, j'ai totalement oublié mes. Oh putain. J'ai totalement oublié les assembleurs pour les plaques de fer renforcées. Il faut que je trouve de la place. Oh, c'était encore pire. Bon. Étape numéro 1. Toi. Toi là, c'est... Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie là? C'est dingue. Bon. Je fais un effort, mon ami. Ouais, je... S'il te plaît, enfin, fais... un minimum d'effort, quoi. Ça passe comme ça. Je pense même que ça peut passer encore un peu plus loin. Bon, là, à mon avis, ça passera pas. Voilà. Quoi? Comment ça, ça rentre par là? Hein? What? Ah, mais non. D'accord. Ok, je me suis trompé de... Enfin, j'ai pas vu, mais ça m'a un peu brain. C'est pas grave. Voilà, le câble, ça nous fait prendre un peu moins de place. Comme ça, là, si jamais on veut mettre des choses, on a un peu de place.
Plaque de fer renforcée et vis. Je me dis, mais tiens, on a des vis. Bah, les vis. Putain, faut les retrouver dans ce bordel en vis. Hein. C'est une dinguerie par contre. Hein. J'y retrouve rien, dit. Putain, c'est... Voilà, donc les vis. Oh putain, en plus mes vis elles sortent là, là. Ma sortie de vis c'est là, hein, s'il te plaît. Hein. C'est vraiment c'est genre. Là j'ai clairement pas la place. Ça va sûrement finir. On va essayer de caler les assembleuses là et. Donc c'est bien, ouais j'ai les vis. Where are the plaques de fer là parce que. Ok, là j'ai des plaques de fer, ouais c'est cool. Quoi ? Plaques de fer, ok bah là j'ai un problème d'alimentation quoi. Ouais là je suis. Ah non, bah non, 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 c'est marrant ça. C'est juste qu'il faut dans la ligne. Le truc il tourne pas là. Bon. Bon c'est bien, ça me permet de régler les problèmes quoi. Alimenter. Oui. Comment ça ? Il y a des lingots là-dedans. Il y a des lingots là aussi, c'est bonne dinguerie. Pas d'alimentation. Merde. Ah oui, non, d'accord. Bon. C'est bon de l'autre côté ? Oui, ça a l'air bon. C'est un lingot. Non, c'est. Attendez, c'est les plaques de fer qu'il faut que je. Passe où mes plaques de fer ? Merde. J'ai perdu mes plaques de fer. Ok. Attends, je comprends pas. Ouais. Ah oui, ok, plaques de fer. Ok. Ok, plaque de fer, ouais ouais c'est bien. Donc là, oh putain attends, là j'ai une sortie, ok là j'ai la moitié de mes sorties, ok j'ai une plaque de fer. Tu veux me dire que ma une autre partie des sorties de plaque de fer, genre c'est à l'opposé quoi. Ouais. Ok. Et là j'ai mes plaques de fer et j'ai re mes plaques de fer. Putain le bordel. C'est un bordel. J'ai perdu l'autre partie, mais bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est à mon avis, là, je vais essayer de forcer l'alimentation, là, paf, paf. Essayer d'en foutre, là, ici, là. J'ai rien, j'espère, ici. Ok, ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être pouvoir mettre deux assembleuses, là. C'est quand même con, hein. C'est quand même con de faire ça si bien et de foirer si bien à la fois. Tu sais, tu fais ça tellement bien que tu le foires. Ouais, là je peux alimenter deux à la rigueur, mais c'est pas mieux si j'alimente tout de. Si je le fais comme ça, peut-être. Tac, 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 tac. Je sais pas si j'ai la place. Bah, on va essayer. Donc, assembleuse. De toute façon, j'ai pas le choix que d'essayer là, j'ai envie de dire. C'est peut-être jouable comme ça. Ah ça va être chiant. Ah ça va vite être chiant là. Sinon j'avais cru voir une autre possibilité, c'est ici, dire bah là j'assemble. Parce que là c'est hors de question, là ça va dans le mur donc non. Une, deux. Une quatrième. Ça joue à rien, en vrai ça joue à rien. En fait la question c'est est-ce que genre là. Je sais pas si c'est la main. Ouais moi j'ai peut-être été un peu gourmand là. C'est ce que genre. Là je veux bien tu vois, là ça me pose pas de problème. Alors là je mets un groupeur, je mets deux groupeurs, là, j'ai mon machin et là j'ai mon autre truc en face tu vois. Ça ça me. Ça genre là tu vois ça me va ça. Mais... Bah non je suis encore au-dessus. Ah. Ah.
C'est une chose qui arrive, le rat humaine, hein, après tout, je suis un être humain, apparemment. J'ai un peu de place, tiens, ici, je pourrais mettre double. 2 et 2, ouais, ça passerait, là, 2 et 2. J'ai rien, hein. Bon, je vais le mettre là. Écoute, j'ai de la place. Autant l'utiliser, bon, ça va juste faire traverser la carte aux ressources, mais bon, ça c'est pas très très grave, la carte, pas non plus. Ça bien 1, 2. Ah mais là j'ai le même problème là, ça va arriver là. Ah non, j'ai rien ici. Ah c'est bien. Oula. C'est vraiment bien. Vos places c'est chaud. Ça se joue à pas grand chose hein. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Hop, donc là on récupérera tout le bazar, là également. C'est le désert. Là on a mis dans tout le bazar. Là on récupère, là on alimente, on récupère, là on alimente. Hop, ça, stack. Très mal placé. Quand même. Hop là, lui il est branché. Plaque de fer renforcée, plaque de fer renforcée. Ok. L'habitude, vous connaissez la puissance de mon PC, enfin de ma carte graphique. Donc c'est bon, ma carte graphique est pourrie. Faudrait que je la change. Mais je crois que si je veux changer ma carte graphique, je suis obligé de changer beaucoup de choses. Donc un peu chiant. Donc là, j'ai double alimentation à faire. Ça, j'ai quoi ici là? Ah oui. Alors, si ce que je peux faire ici. Si je vais pas m'enquiquiner, là c'est hop. Je croupe. Là je peux grouper, là j'en envoie rien. J'en envoie rien, j'allais dire. Hop, j'en envoie un là direct dans le truc. Donc là on a le. C'est un répartiteur qu'il me faut. Premier répartiteur. Deuxième répartiteur, la lime. Ce qui fait que. Merde, c'est ok, là et là. Attends, je vais pouvoir la faire un peu plus comme ça, c'est possible. Voilà. Bah. On va voir. Répartiteur, s'il vous plaît. Je suis en face là? Et je suis en face là, si. Ah, si je suis en plein en face. Donc là j'ai l'anime, là je vais devoir faire pareil. Hop. Cette fois je les ai placés avant. Oui. Comme quoi tout arrive. Hop. Donc ça, ça va là, ça, ça va là, ça, ça. Voilà, et ça, ça là, ça, ça va là. Ah.
Impeccable. Donc on récupère ça. Alors. Voilà. Ah bah oui mais. Alors, oui non. Ah! Ah bah chiant. C'est que j'ai déjà un truc. Attendez quoi? Ah ça je voulais le retirer ça. Oui bon, ça c'est pas très grave. Bon, la bonne nouvelle. Ça, hop. C'est que ça c'est plutôt facile à mettre en place. Oh mon vieil, oh comment ça? Ah merde. Effectivement, je l'avais laissé. Ok, donc les plaques de fer, elles y arrivent. Je crois. Oui. Donc les plaques de fer, là, elles arrivent. Elles arrivent là. Et je dois les diviser en plaques de fer. Donc là, je dois avoir un répartiteur, là, normalement. Je vais sûrement grandir de 1. Oh. Peut-être que je vais réussir à me débrouiller sans. Avec. Enfin, faire sans. À grandir. Donc j'ai les plaques de fer. Les vis. Ouais, elles viennent de là. Ouais. Et là pour le coup. J'ai que dalle. Fondation à mettre. Voilà, faire des conneries là. Un répartiteur. Je suis pas en face. Non, je suis pas en face. Ok, un répartiteur. Ce que je veux, c'est une entrée là. Multicouche, hein, écoute, j'ai l'impression de revenir en études d'électronique, c'est exactement ça. Enfin, pour ceux qui connaissent. Hein. Quand tu fais des trucs sur X-plaque. Alors comment ça encore? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me fais chier? Je t'ai mis dans le bon sens là, j'ai vérifié en plus. Quoi? Pourquoi tu te mets par défaut dans le mauvais sens? Par défaut tu es dans la mauvaise direction. Tu me fais chier. Voilà. Bon là normalement je dois avoir un peu plus de vis que ça. J'ai tout mis en cas. Ok, bon. Ok. Là, ça y va. Là. Là mais je vais pas avoir trop le choix que faire. Encore. Ouais alors les frises pile au mauvais moment, un peu chiant. Voilà.
Ah mais merde, sérieux. Allez, calme-moi. Quoi encore? C'est vrai. C'est tranquille. Quand ça veut pas. Là, barbare. Okay. J'ai pas fait de... Ah oui d'accord. D'accord, faut me mettre à l'envers. Je comprends pas le principe de me mettre à l'envers. Okay. Ok. Donc là. Oui, ça alimente en vis. Ça alimente pas assez en vis hein, par contre. Hein. Tac. Donc là, fondation. Bien tout au bout parce que je le vois venir encore, c'est une connerie. C'est bon, tu arrêtes de m'éjecter de partout. Ensuite oui. Ensuite, c'est pas fini. À un moment donné. Ensuite. Ah ça c'est chiant. Ah ça c'est embêtant. Ah oui, c'est vrai que c'est des machins d'un con. Hein. Bon. Tac. Que ça soit de la bonne aussi de la bonne épaisseur. Hop là il faudrait juste mettre juste à côté. Ça, ça, hop, ça, ça, hop, ça va là-dedans. Pousse toi. Voilà. Là on repasse tout ça. Là, j'ai que ça bien. Voilà. Là. Donc ça là, c'est censé envoyer. C'est ce que ça fait, ça envoie. Et là. Là normalement je récupère l'ensemble de mes plaques de fer renforcées. Et va falloir. En fait bah là je vais tirer le convoyeur le plus loin en vrai de vrai hein, je vais pas m'enquiquiner hein, on est bien c'est à dire je pense ici sans trop m'enquiquiner. Creuser entre guillemets creuser jusqu'à là-bas hein. J'espère que je vais partir un truc qu'il fallait pas. Ah ça aussi ça va l'autre. Elle me refait comme tout à l'heure. Bref.
pas besoin de le mettre ça en vrai. Salut. Hop. Alors j'ai peur que... là, ça soit un petit peu long quand même. Que le trajet soit légèrement légèrement trop long. Hein. Bah oui, c'est bien sûr. Mais ça fonctionne, je pense. Je pense que c'est fonctionnel. Ah. Oui. En dessous, il y a un certain charme. Si. C'est bon. J'étais en train de vérifier. Je vais refermer quand même. Est-ce que charme ou non, faut pas déconner. Tac. Alors, il s'agirait de remonter quand même. Pourquoi c'est vite ça ? Ah oui, ça doit être toutes les plaques de fer renforcées ça. Hop, et dès lors que... Voilà. Voilà, on a nos plaques de fer renforcées. Bah par souci de... Par souci on va tout faire en même. D'unité je crois que c'est... On va tout faire pareil. Hein. Hop, c'est un délire ça. Tac. Je sais pas là si je l'ai fait aussi pour... Oui. Après tu me diras, ça va pas lui monter plus vite, hein, parce que lui il crache pas non plus, il crache 20 à la minute. Hein. Donc 470 pour 20 à la minute. Le ratio il est... Hein. Ça doit être rempli tout pile. Ah, ça se remplit, ouais, c'est ça. 60 par minute, oui, bah oui, oui, c'est... Ensuite, dernière chose que je n'ai pas fait... C'est la récupération de ces oscillateurs, putain, et tout ça pour 8 oscillateurs par minute. Attendez. De les récupérer. J'avoue que je me prendrais mal, je me prendrais pour moi. Ouais, je vais vérifier. Wow, les petits frises là. Il faudrait que j'arrive à faire tourner.
plus mon proco marabe, parce que mon proco il n'y a aucun problème. Mon proco que ma CG. Ouais, j'ai faudrait que je vais me mettre un jour. Je suis un peu flemmard. Je vous avoue que là. Hop, ah, s'il est rempli lui, genre. Ou il est pas. Il n'y a pas d'électricité. Ah bah oui. C'est pas qu'il est rempli, c'est qu'il a pas d'électricité. Tu me diras, je vais attendre qu'il charge bien. Alors ensuite je mettrai l'électricité. Je vais attendre que là, lui là, tout ça soit chargé. Ouais, je pense qu'il y a le temps hein, avant qu'il soit bien. Il va changer. Hein. Ouais, ouais. On va voir là, tout là, il est même pas plein encore. Oh, non, il y a le temps. On va faire notre récup et notre récup. Je crois que je la mets tout à droite. Ouais, impeccable, c'est ça. J'ai laissé de la place comme il fallait. J'ai pas été couillon. Pas totalement. Oh. Ah, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Alors juste par contre, ouais, alors. J'aime bien, mais il faut pas me prendre non plus pour un. Hein. Là, je suis à peu près sûr que je peux placer. Hey. Bon. Sûr que je. Qu'est-ce que. Bah non, non, je suis à peu près sûr de rien du tout. Je suis à peu près sûr du manga qui m'a fait la tronche un peu, hein, plutôt de dire des bêtises. Hein. Grouper, pas de chance. Et oh, où le machin, il est là. C'est bizarre, pourquoi je vois pas le tac 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 tac. Ah zut, c'est trop long. Du coup, je vois pas le lien. Ah, c'est un peu chiant hein, parce que je le vois ni d'un côté ni de l'autre quoi. Bon, pour 8 par minute, on va rester sur du 30 hein. On passe au kikiné. Là on est là. Là on est. On est droit. Voilà. Là, ouais, alors là c'est vrai que là j'ai deux sorties maintenant. Quoi. Bah. J'ai oublié de la poser là. J'ai clairement oublié de la pose ici, c'est bizarre. Non ? Ah non, bah non, d'accord, oui. Non, j'ai rien oublié du tout de la poser. Tac, ici. Par là, le groupeur. Oui. Ouais, je suis peut-être un peu plus sur le bord là, non ? Non, non, c'est ça. Je me posais la question à chaque fois. Ok. Là, ça va être un peu plus. Ça va être différent. Je vais essayer quelque chose. Oh putain. C'est. Là je regroupe, là. Je regroupe, et là. Très intéressant la différence. Bah en fait, là du coup, ce que je fais c'est ça. Alors je suis pas sûr du tout. C'est bien. Ça passe en dessous là. Ouais, on va faire ça. Et ici. Ah oui, il est là. Je me demandais où est-ce qu'il était. Je le trouvais plus.
Comment que je fais ici? Je suis en train de réfléchir. Parce que là, tac. Donc là, non. Là, je mets un conteneur industriel. Et derrière, je mets, alors ouais, j'essaie de l'aligner, mais sans que ça touche. Le relais du dépôt dimensionnel. On arrête pas mal. Et là, il manque plus qu'à alimenter tout le bazar, je crois. Donc, tac. Ah, je voulais attendre d'avoir au moins la rangée de plaques de fer renforcées qui soit bonne. Et là, on va s'occuper de ça, tiens, en attendant. Pourquoi j'ai hésité? Je peux faire comme ça, y'a aucun problème. Je devais avoir mis autre chose, je sais pas. Je devais avoir une autre idée en tête sur le moment. Je sais pas trop ce à quoi je pensais. Là, ça j'ai même pas le bouger, c'est impeccable. Oh là là. J'aime beaucoup. Bon. Ça. C'est même pas en collision en soi. Là c'est où, oh, c'est rempli, c'est, oui ça se remplit là, ça se remplit bien. Bah, ils disparaissent où là? Eh! Les plaques de fer renforcées, ça bouge pas derrière mais ils disparaissent dans le... Dans le non-être ou quoi là? Voilà. Ça arrive petit à petit, ça arrive. Et tout ça me fait consommer beaucoup trop d'énergie. Ah puis alors... C'est bon. Si on va sur un poteau qui n'est pas... Quoi? Attends, tu veux me dire que ça là, ça tourne pas parce que c'est pas alimenté? Ah bah ouais. Voilà, c'est... Non mais... Comme quoi, ça peut être utile parfois. Hein. T'as là, tout là, ils clignotent par exemple. Pourquoi ils clignotent? Ah, ils sont pleins. Ah oui, ils attendent depuis... putain, ils sont... Ils sont là depuis je sais pas combien de temps, tu m'étonnes qu'ils clignotent, ils sont en mode bon, tu veux hein, mon gars, en fait. Tout là ils sont pas alimentés, là je vois pas de truc éteint, mais en même temps j'ai vachement du mal avec les couleurs, donc c'est un... Ça clignote. C'est que c'est plein? C'est que c'est vide? Là comment ça? Oh non, pas ça. La ligne elle est où? Eh! Et là. Comment ça c'est vide? Hein? Attends, quoi? Là, je... Oh, attendez, il y a un délire chelou là. Oui, non, c'est bien. Ouais. Et c'est lui là qui me dit qu'il est vide? C'est lequel qui me dit qu'il est vide? C'est lui là qui me dit qu'il est vide. Pourquoi tu me dis que t'es vide toi? C'est vraiment du MK de MK4 là. Ok, pourquoi pas. MK1, c'est largement suffisant le MK1. Ouais d'accord, bon c'était lui qui déconnait apparemment.
qui clignote là-bas. On va... Une assembleuse également, là, je vais sur... Ouais, sur lui là qui clignote. Il clignote parce qu'il est plein. Attends, tu veux dire, c'est le seul qui est plein, hein? Ok. Bah, tu me diras, c'est peut-être le seul qui a tourné sans problème. Lui, il arrive pas au niveau des plaques de fer, hein. Il s'alimente mal, hein, en plaques de fer. Hein. Okay. C'est bizarre ça d'ailleurs, les plaques de fer ça devrait pas être un souci. Hein. Combien par minute? 30, 60 vis par minute. Les vis, elles devraient galérer, mais pas les plaques de fer. Hein. Bon. Plaques de fer, c'est ça. Plaques de fer, c'est un bar. C'est ça les plaques de fer, hein. Oui, mais les plaques de fer, hein, c'est très vide. Hein. C'est quoi ça? Ah! Ok, ouais, bah effectivement, il y avait une bonne partie des plaques de fer qui n'étaient pas utilisées, c'est quand même ballot. Hein. Par contre, c'est drôle que ça posait des problèmes que d'un côté, pas de l'autre. Ah, oui, c'est clairement mieux maintenant. Voilà. Tout ça, ça tourne bien. J'en vois un qui clignote. C'est lui. C'est lui. Aucune. Ah. Ok. L'unité parolier. Peut-être en parolier. Ça va pas fonctionner. Il peut tourner efficacement. Ça, je crois que j'étais déjà venu. C'était plutôt de quartz. Oui, il clignote là. Qui clignote là, là je crois qu'il clignotait déjà parce qu'il est plein. Je viens clignoter par là. Bizarre. C'est lui là? Ah, peut-être parce qu'il est plein, pardon. Ok, bon, on va aller lancer nos machines là. 8 productions de... Ah oui, alors je voulais voir si en électricité on était bon avant ça. Conso, on est bon parce qu'on n'a rien qui tourne. Enfin, on n'a pas grand chose qui tourne derrière, quoi. Peut-être falloir faire un petit peu d'alimentation électrique, par contre. Là, on est bien. Allez, on va aller brancher notre ligne électrique. Excusez-moi, je me cure le nez. Hein. Voilà. Et c'était toi qui va là-dedans. Voilà. Et là, normalement, tout ça, là, c'est en cours. Alors, lui, il clignote pas bien. Lui, il clignote rouge, c'est pas bon ça. Ah oui. En effet. Là, on peut voir que ça se remplit tranquillou. Par contre, c'est les lignes qui vont se vider là, surtout tranquillou. Coup de 8 par 8 là. Oulop, 8 en moins, 8 en moins. Ah oui, bah là, lui, il n'y a plus rien dedans. Hein. C'est foutu, il n'y a plus rien. Fini. Il tourne là, on entend. Après oscillateur à quartz, à cristal, oscillateur à cristal, pardon. Pas à quartz. C'est un par minute, hein, donc. Temps de voir venir. Bah, en attendant,
On va mettre des trucs là, là-dedans. Merde. Si je fais ça, ça... Oui, ça rajoute. Ok, ça c'est bien. Ça va pleine. Écoute, dans le bordel. Ouais, non mais j'ai trop de... Un peu je veux bien, mais beaucoup... Hop, tout ça là, ça ira. L'entrée. J'ai failli cliquer sur trier, ça aurait été un peu couillon quand même. Hop. Putain, l'oscillateur... Oh, madre de madre, qu'il est lent, hein. À faire, hein. Lui, il doit être un peu plus... un peu moins avancé, là. 7. 84. 63, ouais. Comme il y a eu un petit souci d'électricité pendant un tout petit temps. Et balance. Et tout ira. Les premiers iront là-dedans, donc on n'aura même pas nos résultats dans le dépôt dimensionnel. Dimensionnel, blob. J'en ai déjà en avoir quelques-uns. 127. Ah ouais, j'en ai ramassé 127, les gars, quand même. Ah bah, au vu de la vitesse de production, c'est une machine qui tourne pendant 2 heures et 7 minutes. Écoutez. C'est une façonneuse qui tourne pendant 2 heures et 7 minutes, hein, tout ce que j'ai ramassé. Hein. C'est impeccable. On ne demande pas plus. Hein. Je veux. Si. Ne demande plus si vous voulez, mais moi ça me va. J'aimerais juste vérifier quand même que ça arrive. À un moment quand même que ça a balancé. Bon, après c'est. Non. Et puis, j'ai perdu. Hop, remonter, hop, et hop, revenir. Ah voilà. Mes deux oscillateurs. Normalement là je dois avoir un peu plus que 127. 129, voilà. On va faire le chemin vers la base, tranquillou, que je vous montre juste par où c'est en fait. Donc si vous voulez, en fait là c'est l'arrivée de mon charbon pour le ME. Tout en haut là, il y a un petit trajet avec du charbon et c'est de là d'où vient mon charbon pour le ME. Donc j'ai... c'est pas à côté, hein, c'est vraiment pas la porte à côté. Hein. Oups, avec les petits coups de frise ça aurait pas aidé ça. Bon là ça paraît pas si loin parce que là je suis sur du MK4 et je prends une vitesse de taré mais... En vrai c'est vraiment loin. Ouais les frises, ouais c'est bon les frises Ah oh, oh, oh. Ah oui, j'ai regardé aussi ce que c'était au niveau de la caisse de démantèlement. D'où elle vient, etc. Bah, en fait, il y a à l'intérieur, il y a 4 câbles. Voilà. Là, la caisse de démantèlement que vous pouvez voir en haut là, de l'écran. Il y a 4 câbles. Et j'ai la flemme d'aller chercher. Hein. Écoute, les 4 câbles, ils resteront. Non, par contre, faut arrêter que ça faut que ça arrête de bugger là. J'ai redémarré mon PC exprès cette nuit. Voilà. Enfin, ce matin. Cette nuit, je sais plus. Pas plus chaud que ça. Bon, il est pas froid mais il est pas chaud, c'est pas un radiateur non plus. Débloquer une des technologies qu'on a fait sur avec les puces là, les machins, je sais plus comment ça s'appelle. Mais... Ah, la vitesse est agréable.
moche d'oscillateur là. 150. On a déjà produit une vingtaine, hein, mine de rien. Alors, qu'est-ce que ça me propose? 2 tons de caoutchouc. Ah bon. Ok, ordinateur à cristaux. Alors là, vu la difficulté de faire des cristaux, c'est hors de question. Oui, j'ai aussi pas mal exploré. Vous voyez, quelques disques durs. J'ai aussi pas mal de sphères de mesmer, etc. Là, j'ai beaucoup de bordel. J'en ai quelques-unes. C'est quoi? Ah oui. Ah bah dis, ouais, sinon, il veut plus rien le jeu là, il me dit d'aller me faire voir. Là je vois que par exemple dans les améliorations on peut avoir une augmentation de la vitesse d'envoi, ça je m'en fous un peu, j'en ai rien à ce quoi. Surtout vu le pourcentage auquel ça augmente. Par contre ça qui augmente de 100% à chaque fois, on dira ça revient au même. 3, 300. Oh, c'est nul hein. Je vais augmenter ça en fait. J'en ai pas. On va prendre des fluctuateurs là. Et on va améliorer la technologie, on va augmenter notre capacité de stockage. Alors j'ai peur d'un truc, c'est que. Comment ça? Moi je peux pas. Ah, une autre recherche est en cours. Je peux pas tricher. Ah. Pas moyen d'accélérer Librairie. Le disque dur. Comment ça? Je sais pas à quoi ça sert ça. C'est une feature qui est pas encore implantée. Je pense. Bon. Bah je débloquerai. Ouais, bah, on fera ça sur le prochain épisode. Sur le NES, c'est pas très bon. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des trucs là, et en plus, je vois pas comment le débloquer lui. Voilà, pour le coup. Oh mais ça c'est nul. Ça faudrait parce qu'il y a le disjoncteur et le disjoncteur prioritaire que j'aimerais mettre en place. Au moins dans les nouveaux trucs là dont on me sert. Ça aussi. À terme. Bon là il faut des connecteurs haute vitesse. Je sais pas comment il faudra les produire mais. C'est sûrement du fil actif. Hein. Certainement du fil actif. Allez hop. Tout ça, ça dégage. Faut pas vite, hein. Il est fort quand même. Ah oui. Bon. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Allez, c'était Thiob.